Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Là, on va parler uniquement de jeux vidéo sur PS4, PS5. C'est pas grave, c'est les mêmes plateformes. En gros, c'est pour PlayStation. Alors, c'est des jeux intellectuels et un peu de sport. Et un peu de sport, intellectuel et un peu de sport. Et un jeu de guerre, comme je vous ai fait montrer tout à l'heure. Donc, pardon, désolé. Abdullah, comme on dit, le Abdullala large. Allez, on rigole un peu, c'est bon. Alors aujourd'hui, je vais vous parler uniquement des jeux vidéo intellectuels comme des jeux vidéo violents, comme ils disent les gens, mais moi je m'en fous. La personne n'est pas, c'est pas une question qu'on devient violent pour ces jeux-là. Par contre, il y a des gens qui sont vraiment qui sont morphides, hein, morphides 24h/24 derrière un ordinateur ou une console, hein, 24h/24. Moi, j'aime bien être derrière une console aussi, c'est véridique, mais voilà, pas sur tous les jeux. Bon, on va commencer avec les jeux intellectuels. Un jeu qui est très bien, voilà, le Code de la route. Voilà, je vous le présente. Alors, pour vous le dire, elle est très très officielle. Hein. Voilà, et très très officielle celui-ci. Vous voyez, le Code de la route, c'est un jeu vidéo intellectuel. On ne peut pas dire que c'est le contraire. Donc bien sûr, pour PS4, mais compatible à PS5. Voilà, celui-ci. Là, je l'ai commandé sur eBay. Voilà, je l'ai commandé à eBay, je l'ai commandé 28€. D'accord, 28€, ça va, hein, j'ai bien aimé avec frais de livraison gratuit. C'est pour ça que je vous dis que il faut regarder, il faut bien trier. Voilà. Ça, c'est un très très bon jeu, tout neuf, tout nickel, sans problème. Maintenant, bon, je l'ai offert ça à ma femme à deux balles. Parce que franchement, faut qu'elle prenne à penser au code de la route. Maintenant, je vais passer sur un autre jeu que beaucoup de connaissent, que beaucoup de gens connaissent comme jeu. Normalement, c'est une émission qui est connue, qu'on appelle « Qui veut gagner des millions ?» Voilà, avec Jean-Pierre Foucault à la base, mais pas sur ce jeu vidéo. Voilà, faut le dire. Il y a la photo de Jean-Pierre Foucault ici, mais ce n'est pas Jean-Pierre Foucault. Vous le dites tout de suite, hein, pour vous dire. Parce que ça, c'est pour l'émission française. Parce qu'on peut regarder émissions portugaises, émissions italiennes, émissions espagnoles. En gros, c'est toutes les émissions qui existent sur ce jeu-là. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est un jeu intellectuel. On ne peut pas dire le contraire. Voilà. Donc voilà. Très très bon jeu vidéo quand même. Hein. Faut dire, bien illustré. Moi personnellement, j'ai bien aimé. Voilà. Vous voyez, mes factures ici. Hein. Je confirme. Voilà. C'est un très très bon jeu vidéo, très intelligent, hein, on peut le dire, hein, voilà, très intelligent, parce que ça c'est vraiment un jeu à utiliser le cerveau. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de jeu là. Ça c'est des jeux vidéo que j'aime beaucoup, hein, c'est pas que des jeux de guerre, des trucs comme ça que je suis, moi je suis vraiment, je touche un peu tout. C'est un peu comme la musique quoi en gros, hein, c'était comme la musique. Hein. Alors après FIFA 21 en PlayStation 4 mais compatible à PS5. Voilà, attention, hein. Je précise très bien. Quand j'aurai la PS5, ben, j'ai juste à m'amuser avec, hein, c'est tout, voilà. Donc voici FIFA 21. Très très bon jeu. Aussi, vous avez preuve. Hein, je vous présente que j'ai vraiment tout. Donc celui-ci, je l'ai acheté avec l'autre jeu vidéo et l'autre à la manette. Voilà. Alors voilà, ça. Et maintenant, mon dernier, qui est celui-ci, que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Là. Ah, un très très bon jeu vidéo. Ça, franchement, c'est un très bon. J'ai vu les images, j'ai vu. Pour moi, ça m'a bluffé un peu. Hein. J'ai bien aimé. Alors, j'espère que la PS5 va se calmer son bug. Mais bon, c'est tout ce que je souhaite. Il y a un jeu vidéo qui m'intéresse pas, c'est 2077. Je m'intéresse pas trop. Ça me suffit déjà celui-là. C'est déjà très bien, quoi. Je suis pas.
je suis pas trop jeu vidéo de guerre comme ça. Donc voilà, j'aurai une patience d'avoir Gran Turismo 7. Voilà, tout simplement. Et donc, faut le dire, j'ai quand même mes goûts de jeux vidéo. Voilà. Donc, oui, il y a des jeux vidéo qui sont très intéressants, qui sont, voilà, il y a même, vous savez, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on peut avoir presque plein de jeux, le Monopoly, il y a plein de, même des jeux de société, hein, des jeux de société qui sont, qui seront en PS, en jeux vidéo comme ça, tout simplement. Et faut arrêter, quoi, de dire. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous dis à vous, écoutez, surtout, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je parlerai, si tout va bien, de vinyle. Parce qu'il y aura des vinyles qui vont arriver, comme je vous ai expliqué. Et j'espère qu'ils vont arriver. Et là, pour l'instant, c'est un peu en attente. Normalement, l'autre l'avait commandé samedi, donc je l'aurai peut-être dans la semaine, là, voilà, dans la semaine. Et donc voilà, Florent Pagny, bah, je suis obligé de patienter parce qu'il est en cours d'approvisionnement, d'après ce que j'ai compris. Après le mail de la FNAC qu'ils m'ont envoyé. Et bien sûr, j'attends la fibre du samedi soir en 33 tours FNAC aussi. Et aussi, bien sûr, les Blues Brothers. Couleur bleue, sur en version illimitée, vraiment limite, hein, c'est il y a 500 exemplaires, 500 ou 1000 exemplaires, donc voilà, j'ai commandé ça, et donc on verra la suite, surtout coloré bleu, hein, c'est pour, je sais pas, alors on verra ça, quand je vous ferai présenter tout ça, tranquillement. Allez, je vous remercie, prenez soin de vous surtout, et je vous fais des gros bisous, bye bye.